m'échappe. Hein. Bienvenue dans le Béarn, dernier département de la côte atlantique avant l'Espagne. Les Pyrénées-Orientales abritent le Pays Basque et le Béarn. Et c'est à cette ancienne province de Gascogne que nous allons nous intéresser. Et l'on va sillonner plus particulièrement l'une de ces trois vallées, la vallée d'Aspe. Alors on ira de boudin béarnais en agneau des Pyrénées, de saumon des Gaves en béret béarnais, on reviendra sur le débat, et de Bastide en cité médiévale. Vous verrez que la palette béarnaise est très large, de paysages, de savoir-faire, de traditions et de recettes bien sûr. Et on commence justement à Navarinx, qui est une des villes incontournables de la région, avec son très riche passé architectural. C'est peut-être la première ville fortifiée en France, et en tout cas, c'est la capitale du saumon. Allez, en direct, sous vos yeux ébahis, comment ça se met ? Sur le côté ? Le Gave d'Oloron est encore actuellement la rivière du bassin de la Dour la plus fréquentée par le saumon. C'est durant l'entre-deux-guerres que se situe l'âge d'or de sa pêche à la ligne, qui attirait de nombreux touristes étrangers et fut d'ailleurs à l'origine de l'installation en Béarn et particulièrement à Navarinx de plusieurs familles anglaises. Même si la profusion de saumon dans le Gave a largement décliné dans les années 70, on continue d'honorer cette pratique. Et justement, Jean-Pierre, Hervé et Pierre, trois Béarnais du cru, pêchent encore à la mouche tout en se préparant des petits casse-croûtes de haute voltige. Tout le monde se goinfrait de saumon à l'époque. Alors il ne faut pas que tu t'imagines la darne de saumon meunière dans une belle poêle. En fait, ce qui se passait, c'est que le saumon était coupé en deux. Et il était stocké dans des barriques en bois avec du sel. Et ces morceaux de saumon étaient cuits dans la soupe avec des betteraves. D'accord. Il fallait quand même se la manger, la soupe de saumon. Des recettes qui, heureusement, ont évolué vers un peu plus de plaisir pour les papilles. Les saumons migrent ici au calme pour se reproduire. Les alevins vivent un an à deux ans dans la rivière, puis partent en pleine mer pour grossir avant de migrer à nouveau. C'est pour cela que dès les années 30, Navarinx s'est doté d'un astucieux système de passe à poissons au niveau du barrage, permettant aux saumons de franchir plus aisément l'obstacle, un dispositif totalement réaménagé il y a quelques années. On a construit une échelle pour que les poissons puissent passer de bac en bac dans les chicanes. Là. Donc on lui a fait un passage aménagé en fait, pour faciliter la migration vers la frayère. L'heure du casse-croûte approche. Pierre, justement, désarrête le poisson à la pince à épiler après l'avoir laissé saumurer 3 heures dans du sel et du sucre avant de le fumer. Je ne fume pas l'été parce que quand je fume, il ne faut pas que ça monte à plus de 30 degrés. Donc si tu fumes avec la chaleur ambiante et la chaleur du fumoir, si tu montes à plus de 30 degrés, quand tu coupes, si c'est cuit, la chair se déchire, tout simplement. Pour se différencier du traditionnel fumage au bois de hêtre, il préfère opter pour l'acacia dans un fumoir confectionné par ses soins. Vous voyez, c'est un truc à remarque artisanal. Ma truite, je la mets environ 1 mètre dessus. Comme ça, elle ne va pas cuire, elle va bien s'imprégner. Et mon poisson, il est là, il va fumer là pendant 3-4 heures. L'heure des régalades a sonné. Tu veux un peu de citron, Jean-Pierre ? Ou tu veux goûter comme ça ? Toujours sans citron, moi. Tu sais, je trouve mieux le goût des choses. Tout à fait. Merci, Pierre. J'en ai amené un peu, il y en a tout. Merci, moi. Moi qui avais arrêté de fumer, tu me réconciliais avec la fumée. Ouais, tu vois, tiens. Je laisse les copains à leur partie de pêche. Nous les retrouverons plus tard pour notre grand banquet et file découvrir un autre pan de la culture paysanne béarnaise.
À présent, on va retrouver Olivier, qui est éleveur de porc gascon, une spécialité locale emblématique, et qui, à cette époque, comme chaque année, organise ce que certains appellent la tuade. Ici, on dit plutôt le pelle-porc. Et évidemment, dans la foulée, on va cuisiner ce qui est le plus fragile, c'est-à-dire le sang, pour faire le boudin. Et Olivier, lui, avec son copain Bernard, fabrique le boudin aux pommes. C'est aux portes de la vallée d'Aspe, au pied des sublimes montagnes des Pyrénées et aux abords d'Oloron-Sainte-Marie qu'Olivier a installé sa ferme. Il produit des porcs gascons, de l'agneau de lait label rouge, un fromage de brebis basco-béarnaise au chaudron et fait la provision, comme on l'a toujours fait dans sa famille. Cela consiste à perpétuer la tradition du pelle-porc. Alors que la bête est abattue, le cochon est placé dans un bac rempli d'eau chaude qui facilitera son pelage avant d'être totalement débarrassé de ses poils au chalumeau. Pas de temps à perdre, en route pour la cuisine chez Bernard, un copain d'Olivier. Pour le moment, nos cuisiniers m'attendent au chaud pour transformer le cochon. Bonjour, bonjour Bernard. Rentrez, rentrez, ah, restez pas dehors. Ça chauffe Irène, ça, c'est presque c'est chaud. C'est parfait, bonjour, ça aussi ça cuit. Bonjour Julie. Bonjour Julie. Ouais, et Irène, mon épouse. Ah, bonjour Irène. Julie. Allez, je vous fais un bisou. Mais dites donc, vous êtes déjà en train de faire le boudin, alors il n'y a pas besoin de le préparer. Eh mais non, parce qu'on va le déguster, donc celui-là, il a été fait quelques jours avant. Ah, bon, je vais mettre ça quelque part. Ben... Alors, pour le boudin, donc, on va mettre la tête du cochon. Ouais. On va mettre du goulas, c'est la gorge. On y met la langue. Ouais. On va y mettre des poumons. Et après, bon, chacun a sa façon de faire. Ici, autant de maisons, autant de boudins différents. Bon, le cœur, on peut le manger aussi en sauce. Bon, moi, je le mets. Voilà, parce que ça fait un peu plus de viande pour le boudin. Mmh. La spécificité du boudin béarnais, c'est qu'il y a beaucoup de viande dedans. Qu'est-ce que je peux faire, alors? Dis-moi. Alors, ce qu'on va faire, déjà, on va commencer par préparer la tête. Parce qu'on ne va pas la mettre comme ça, quand même. Hein. Je peux apporter une rectification? Dis-moi. Tu vas commencer par préparer la tête. T'es sûr? Ouais, je suis sûre. Non? Non, moi, je t'aiderai... Pour les poumons, alors. Voilà, un peu plus tard. Allez. Je l'ai déjà donné dans la tête de veau, mais... La tête de cochon, c'est encore plus impressionnant. Bon, moi j'opte pour un peu plus de délicatesse et commence à émincer finement du poireau qui cuira plus tard dans le bouillon. Ah, là t'enlèves l'œil. La cervelle. Non, la cervelle. Oh, c'est spécial, il faut être habitué. Hein. Voilà. Et donc la langue, tu l'utilises aussi, bien sûr. Hein. Voilà, je l'y mets aussi, bon. Mais ça peut se faire confit aussi. Hein. D'accord. Pour moi, c'est bon. Écoute, ce que je te propose, c'est que de suite, je vais le mettre. Vais si tu peux me donner un coup de main. Ouais. Donc là, tu balances tout. Voilà. Tu as salé ton eau ou elle est... Bien sûr, ouais, on a mis un peu important. De sel. Oui, tout à fait. La tête. L'autre, le reste. Ça, tu reconnais? C'est les tétines. Les tétines. Voilà, parce que mâle ou femelle, il y a des tétines. Ah bon? Il y a des tétines chez le mâle? Oui. C'était quoi ton déjeuner, toi? Bah moi, j'ai mangé des tétines de porc, et toi? Et la cervelle, non? Non, la cervelle, on ne la met pas. Ah bon? Ensuite, on va couvrir pour laisser cuire. Bon, entre 3 et 4 heures. Si jamais l'envie folle de préparer un boudin béarnais comme Olivier vous prenez, tâchez de vous procurer une tête de cochon, sans oublier la langue, la gorge, les poumons, le cœur et les tétines. Des boyaux de porc, bien sûr, mais aussi de la verdure, deux poireaux et deux oignons qui vont cuire dans le bouillon de cuisson de la viande, du piment de Cayenne séché et du sang de cochon. Par rapport à mon expérience de boudin, oui. Si je puis dire. Oui, voyons. J'écoute. Hein. Par rapport à mon expérience de boudin, parce que j'en ai fait dans plusieurs endroits, d'accord. Il y a assez peu de sang par rapport à ce que tu appelles la viande. Tout à fait. On est d'accord. Ça dépend des endroits. Alors, il y a des régions de France où on met beaucoup plus de sang que d'autres. Nous, on n'en met pas trop quand même. Ouais. Voilà. On en met juste pour colorer. Donc le sang qui reste, vous le jetez alors? On le jette. Ouais, d'accord. Ou on le boit, ça dépend. Alors maintenant,
je vais te demander de me rajouter le sang, s'il te plaît. Pas tout, hein, tu vas faire au fur et à mesure. Je vais te dire stop. D'accord. Je vais l'incorporer et on va voir. C'est assez. C'est volontaire, c'est hein, ce oui, que tu fais là. Oui, hein. Oui, vas-y, vas-y. Un petit voilà, peu. Vas-y, il faut remuer encore, rapidement vas-y, pour vas-y. Pas qu'il coagule, là, c'est ça? Non, d'accord. Ça va pas coaguler de suite. Pas. Non. Allez, on en rajoute un petit peu. Voilà. Encore, hein? encore, là, c'est voilà. Bon. Là, ça commence à être pas mal. Voilà, là, il y a une belle couleur. Mmh. Tu vois, il était un peu trop clair. J'allais le dire. Et toujours à vue de nez et à la mano, j'assaisonne avec la verdure, du sel, du poivre et du piment de Cayenne. C'est gentil de me dire de prendre ça avec les doigts. Après, si j'ai un truc dans l'œil, je vais me souvenir de ton boudin. Hein. Allez, bon, vas-y. Vas-y. Le Cayenne, ça emporte quand même, non? Non, ça emporte pas, non. Mais ici, on aime bien le boudin qui pique. Ah oui, ici, on aime les choses relevées, oui. Ah bon. Ouais, ouais. Allez, je vais commencer. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir goûter. Tu veux goûter? Écoute, ça me presse pas. je vais d'abord goûter. Tu goûtes comme ça? Non, moi, je goûte avec les doigts. Je goûte avec les doigts. Allez, voyons. C'est fade, goûte. Hein. Pour moi, il manque de sel. Pour moi, il manque du sel. Il manque un peu de tout. Vas-y. Non, mais c'est bon. Je pensais que c'était... Un petit peu du sel. On va rajouter un peu de tout. Ah non. Moi, je trouve que c'est salé. En revanche, si tu me dis qu'il faut que ce soit piquant... Il faut c'est que pas ce hyper soit relevé. Piquant. Non. Par contre, il faut que, en fait, quand on le goûte là, il faut qu'il soit vraiment très fort, quoi. Parce qu'en cuisant, ouais, il va bah perdre oui, quand sûr, même un petit peu. Il va perdre de son arôme. Donc, on en rajoute un petit peu. D'accord. Encore. Rajoute-moi un peu de piment, s'il de te plaît. De Cayenne. Voilà. Aïe, aïe. Allez. On y et va. Et maintenant, on va. Ah oui, j'avais oublié les boyaux. Ah, je pensais ben que oui. Mon calvaire était terminé. Non. Alors, j'en fais un pour te montrer. D'accord. Et je te laisse faire l'autre. Il faut remonter un peu les manches. Oh, puis j'ai bien fait, j'ai mis, tu vois, les pulls blancs, les baskets blanches. Voilà. Ah oui, carrément. Ah ouais, d'accord. Ouais, je vais te laisser faire, en fait. Ouais, sûr. Tout bien réfléchi. Je suis limite mal au cœur, quand même. Et pourtant, j'adore le boudin et c'est pas la première fois que j'en fais. Hein, mais... Non, mais je comprends pas quand même. Il faut que tu arrives ici pour avoir mal au cœur, quoi. Bon, faut pas trop le remplir. Parce que, non, s'il parce est... que sinon, voilà, il éclate, c'est ça. Il peut éclater s'il est trop tendu. Parce que de toute façon, ça va s'expandre à la cuisson. Oui, un petit peu. Ouais. Je te le tiens. Là, tu fais un bon nœud. D'accord. Un deuxième. Voilà. Ça ne va pas se déchirer, hein. Non. Et après, là, on va passer par-dessus. Comme ça, on hein. croise. Voilà. On croise. On appelle ça, nous, le chibalette. Le pas chibalette. Toi. Voilà. On va le mettre à cuire. Ouais. D'accord. Donc, dans le même bouillon, bien sûr. Et bien, voilà. Voyons, je pense que l'eau n'est pas trop chaude. Vas-y. Non, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit non, bouillante. Non, il ne faut pas qu'elle, qu'elle soit bouillante. Soit juste hein, voilà. 85-90 degrés, pas plus. D'accord. Hein. Voilà. Pour pas qu'il éclate une fois de plus. C'est ça. Et là, tu vas le faire cuire combien de temps? Là, on va le faire cuire une heure environ. D'accord. Voilà. Hop. Et tu peux recouvrir. D'accord. Et là, on laisse une heure. Et voilà, nous, en revanche, on va manger le boudin d'Irène, du coup. Exactement. Si c'est j'ai ça. Bien compris, normalement, après la cuisson, là, qu'on est en train de faire, il faudrait qu'il sèche, c'est ça? Voilà, on le prend. Deux, trois jours. Voilà. Deux, comme trois un jours. Saucisson, quoi, comme une saucisse. Exactement. D'accord, voilà. Je comprends. Hop voilà. Là. Allez, c'est parti. Et bon appétit. Ah. Dans l'honneur, Olivier. Allez, merci. Tiens. Et alors donc, merci. La cuisson, c'est entier à la cheminée, idéalement, c'est ça? Voilà. C'est l'idéal. Un bon goût. Ben oui, ça prend un goût de fumée, voilà. Il perd un peu voilà. De son gras. On peut en mettre aussi en conserve. C'est très bon. Mais tu sais ce que ça m'évoque, finalement? Plus qu'un boudin tel que moi, je le connais, ça m'évoque presque un salmi. Parce qu'il y a ce côté effilogé de la viande, tu vois. Mmh. Comme tu dis, c'est pas de la purée. Voilà. Alors que souvent, le boudin, c'est assez liquide, finalement, voilà. À l'intérieur. Et là, il y a tellement de viande que c'est comme un salmi. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi pimenté. Ça arrache pas, mais il est quand même vraiment bien pimenté. Alors, Julie, à table avec toi, tu as deux personnes qui défendent les races locales. Ah bah donc, moi, sûr. Pour les brebis, il y avait la Basque Béarnaise, qui et est une race cochons. Locale. Tu as Bernard, qui est aussi éleveur de vaches béarnaises. Qui est une race ancienne, qui est en voie de disparition, et c'est lui qui est un peu à la relance pour essayer c'est de maintenir... Et pourquoi ont-elles disparu? Au départ, elle était surtout utilisée pour le travail. En tant que bœuf de trait, quoi, c'est voilà. Ça voilà. L'homme, en 1962, a créé la blonde d'Aquitaine, mmh. Une race qui n'existait pas. Mmh, c'est vrai. Et a fait que le reste...
Le reste en apathie. Surtout le travail aussi a fait que ça a disparu. C'est des races qui sont moins conformées, où il y a moins de rendement en carcasse, en viande, mais c'est des races très laitières aussi. Voilà, une vache béarnaise, elle peut se traire aussi. Ah oui. C'est à la fois une race à viande et une race laitière. Oui. Et merci pour ce boudin d'exception. Et ce qui me ferait plaisir, c'est de pouvoir le partager avec les gens que je vais rencontrer pendant mon voyage ici dans le Béarn. Et on va organiser un grand banquet, comme vous devez en faire assez souvent, j'imagine. Et le chien est d'accord, en tout cas. Les deux chiens sont d'accord. C'est le facteur. Et ça va se passer à Moumour, c'est pas très loin. Non, c'est pas loin. Bon, et si vous pouvez venir avec un petit peu de boudin, même froid, hein, c'est pas grave, ça se mange froid aussi. Bien sûr, on pourra le goûter froid à l'occasion. Bon, bah voilà, ouais, ça marche. Super. Nous voilà partis pour Arzac pour découvrir les secrets du fameux et incontournable jambon de Bayonne. Le jambon de Bayonne, vous le savez, il bénéficie d'une IGP, d'une indication géographique protégée. Et du coup, il correspond à une charte, un cahier des charges très précis, notamment l'utilisation d'un sel, un sel local, issu des salines du Béarn. Le sel provient d'une source salée pompée en profondeur au pied des Pyrénées. On dit de cette eau qu'elle est aussi salée que la mer morte. Stockée ensuite dans de grands bassins en pierre, l'eau est décantée puis transférée dans d'autres bassins, les poêles à sel, où l'eau est chauffée. Et c'est en surface que se forme la cristallisation de la fleur de sel, un produit très prisé. C'est au fond des bassins que le gros sel est pêché mécaniquement, celui justement qui est utilisé pour la salaison des jambons. Mais je laisse à Bertrand le soin de nous expliquer les différentes étapes de sa fabrication. Nous, on s'occupera de la dégustation. Ça, je sais faire. Direction Arzac, commune au nord de Laurent-Sainte-Marie, où l'on produit le célèbre jambon de Bayonne. Un produit aussi bien fabriqué au Pays Basque qu'en Béarn et en Bigorre. Cela débute toujours de la même façon avec le salage à la froidure hivernale. Pour saler les jambons, il faut les saler avec du gros sel, il faut un gros grain, parce que ce grain va fondre doucement sur le jambon sans le brûler. Alors que si on le faisait avec un sel fin, eh bien la dissolution serait trop rapide et ça brûlerait le jambon. Donc on prend du sel comme ça et on frotte le jambon énergiquement. Jusqu'à temps que la couenne transpire. C'est un moyen de favoriser bien la conservation du jambon. Et on va bien mettre une bonne poignée de sel comme ça sur cette partie-là. Et on va recouvrir le jambon de sel. Il est ensuite entreposé pendant 15 jours sur des cadres à saler, puis transporté au saloir. Débarrassé de l'excédent de sel, on le maintient au frais 15 jours, entre 2 et 4 degrés. Il va perdre de son humidité, lui permettant une conservation naturelle. Le jambon peut alors entrer en phase de repos, un hiver durant. Alors maintenant, on sort de l'hiver. Le produit, eh bien, on va le mettre près de la cheminée pour le réveiller. Donc nos jambons là, sont mis à l'étuve. Et en surface, on peut avoir l'impression qu'il est un petit peu plus sec, mais en profondeur, il reste toujours bien souple. Voilà, donc nous, là, ce sont des jambons qui évoluent très bien. On est content. Après cette phase qui dure une semaine, on l'emmène au séchoir durant l'équivalent d'une saison avant de le paner avec un mélange de graisse de porc et de farine. On le laisse ainsi maturer de l'intérieur pour qu'il développe ses arômes. Il peut maintenant être marqué. Chaque salaisonnier a son fer avec un numéro caractéristique. Donc ici, on voit bien la croix basque avec ses quatre branches. Surmontée de Bayonne. Direction l'affinage, la phase ultime, où l'on prend la peine régulièrement de vérifier l'évolution des bonnes odeurs. Voilà, donc on a cette os de cheval, ce perronné, qui nous permet d'aller sonder le jambon. Et voilà. On sent ces bons arômes de noisettes, de produits bien secs, ces odeurs de cuir. Alors là, on est en phase de maturation et c'est un vrai plaisir de venir dans les affinages parce qu'on sent toujours les bonnes odeurs de chacun des produits.
Après avoir été soumis au jugement du nez, définissant ainsi ses qualités gustatives, notre jambon a au total réalisé une transformation d'une durée de 9 à 12 mois. Il me tarde de le déguster lors de notre banquet. Alors nous voilà à Escout, juste à côté de Oloron-Sainte-Marie. On va rendre visite à Henri. Henri, il est devenu auteur et critique gastronomique, critique culinaire, un peu sur le tard de sa vie. Il a fait de sa passion son métier. Et là, il va nous cuisiner une recette de son cru, à sa façon, mais alors très très locale, le gigot d'agneau de lait à la sauce oloronaise. Il paraît que c'est lui qui l'a inventé. Et là où il y a une véritable boucle gourmande dans la région, c'est que le gigot d'agneau de lait, il vient de chez Olivier. Ça peut pas être mauvais. Bonjour, ah, Henri. Bonjour. Ça va? Ouais, j'étais en train de parler de toi et de tes talents de cuisine. Sûrement bien alors, voilà, ok. Oui, absolument. Bon, allez, on rentre, oui. On passe en cuisine direct? Direct. D'accord. Elle est agréable cette cuisine. Ah, bah vous avez déjà tout préparé. Ah oui. Ah, c'est formidable. Alors, cette recette, c'est vous qui l'avez mise au point ou c'est une recette régionale de famille? Bon, disons que l'agneau de lait, je l'ai toujours cuisiné comme mon père cuisinait. Voilà. Donc, il n'y a rien de spécial. Et le haricot maïs, on va en parler, mais surtout. Ah, parce que vous le servez avec des haricots maïs. Du Béarn. Alors, les haricots maïs, si j'ai bien compris, ce sont les haricots qui poussent sur les pieds de maïs, c'est ça? C'est exact. Comme un tuteur. C'est un tuteur. Comme il pousse avec le maïs, le pied de maïs, il y a une espèce d'ombre, il y a une grosse protection par rapport aux forts rayons du soleil. De ce fait, le haricot garde une peau très fine. Et il est plus digeste. Et il est plus digeste. Et en plus, le haricot reste moelleux à l'intérieur. Voilà. Bon, alors on va s'y mettre parce qu'à force de parler. Alors disons que l'agneau de lait, on va simplement le piquer d'ail. Allons-y. J'écarte un petit peu. D'accord. Je mets 2 graines de poivre. Ah, tu mets du poivre? Oui. Une lamelle. Et ça va pas trop emporter le palais? Ah non, et on pousse. Allez, on pourrait pas faire ça sur un gigot d'agneau qu'on ferait cuire traditionnellement? Non. Nous, on fait ça dans les confits aussi. D'accord. Dans les confits, tous les confits. Confits de canard ou d'oie? Confits ou d'oie, voilà. Ouais. Ou du porc, peut-être, d'ailleurs. Oui, tous les confits. Bon, maintenant, on va le saler au sel de salice, évidemment. Ah bah, forcément, salice de Béarn. J'y vais? Oui, oui. Généreusement. Donc, je vais le mettre au four. Bon, d'accord. Là, il est à 200 degrés. Ah oui, il démarre à four chaud. Voilà. Il sera saisi un peu au départ. 200 degrés juste pour le faire rôtir. Voilà, 15 à 20 minutes. D'accord. Et il fera au moins autant, tout doucement, entre 120 et 130 degrés. OK. Et maintenant? Et maintenant, alors, les haricots de maïs. Haricots. Voilà. Tu les as laissés tremper depuis quoi? Depuis 24 hier soir. Heures hier soir. D'accord. Alors, ces haricots, ils ont déjà eu deux os. Hein. Ah bon? Disons que ça évite la fermentation. Oui, c'est surtout ça, en fait. Voilà. Mais tu les mets pas au frais, non? Non, à l'eau froide, c'est tout. Alors, ce qu'il y a, nous allons préparer une petite julienne de légumes avec de l'escanouille. De l'escanouille. Ça, c'est escanouille de l'oignon de Trébence. Alors, moi, je plante. Ça, je connais. Ah ouais, c'est délicieux. Ah, il est délicieux. Alors, c'est l'oignon. C'est l'oignon frais, quoi. Ouais. Tu veux fin, pas trop fin? Qu'est-ce que tu veux? Ah, la carotte est très fine. Hein. Non, oui, je parlais de l'oignon, mais la carotte aussi. Ah oui, d'accord. Oui. Ok. Ça te va comme ça, là? Impeccable. Impeccable. Pourquoi si fin, la carotte? Ça va un peu caraméliser tout doucement au fond. Ouais. Et ça va concentrer les sucs. Ah, d'accord. Ça fera comme une sauce, en fait. Exactement. Un petit jus. Exactement. D'accord. Alors là, j'ai oui, un petit peu de graisse de canard. Alors, c'est la graisse de confit. Hein. Voilà. Bah, bien sûr, ça donne du goût. Ça donne du goût, voilà. Bon. Allez. Alors. D'abord les carottes. Hop là. Voilà. Une fois qu'elles ont un peu rissolé, nous ajoutons les oignons nouveaux, l'escanouille, comme dit Henri, et dès que cela chante un peu, une bonne pincée de persillade. Alors, moi... Ah d'accord, ça c'est ton fond de sauce pour les haricots, voilà, c'est voilà. La garniture un voilà. Peu. D'accord. Alors, je les mets? Ouais, oui. À sec, tac. Ouais, alors à sec. Alors. Ne reste plus qu'à ajouter un bouillon de viande non salée pour éviter de faire durcir les haricots, préparés à l'avance. Recouverts à hauteur, nous les laissons cuire 1h30 et passons maintenant à la création d'Henri, sa sauce oloronaise. L'important, c'est que l'échalote blondisse à peine. À peine, à peine. L'échalote blondit, oui. Je t'écoute. Mais oui. Elle chante ta cuisine, alors ouais, chante. Petit secret, entre guillemets, c'est pas un secret. J'utilise toujours des jurançons vieux.
ces jurançons qui sont vieux, qui ont une petite pointe d'oxydation, ça donne un parfum terrible. Oui, il y a un côté un peu presque vin jaune, enfin tu vois, moelleux, quoi. Alors, l'important de ça, c'est que là, on va augmenter la sauce un peu, parce qu'il faut faire ce qu'on appelle pratiquement un caramel de jurançon. Ce qui est important, je dis, c'est que il faut tourner tout le temps pour que ça s'absorbe progressivement. Voilà. Et là, ça va s'évaporer pratiquement. Et il ne restera plus qu'à rajouter notre petit bouillon. Une fois le caramel obtenu, nous mouillons avec le reste de bouillon de viande et laissons réduire. Puis pelons une douzaine de grains de raisin blanc que l'on fera dorer à l'huile et détaillons un quart de poivron rouge que nous faisons rissoler à part avec un peu de persillade, toujours dans de l'huile de tournesol. Voilà les quelques petits cèpes qui sont déjà pré-cuisinés à l'huile. Et on va les mettre dedans. Voilà, hop, juste à faire revenir. Dans les parfums déjà de poivrons. Donc il y aura les parfums déjà. Et c'est pas la peine de mettre de l'huile. C'est pas la peine de mettre de l'huile. Il suffira juste de saler et toujours un peu de persillade. D'accord. Voilà. Il est temps de sortir mon carnet pour y mettre tout cela par écrit. Pour mitonner un gigot d'agneau de lait des Pyrénées sauce oloronnaise comme Henri, choisissez un gigot d'agneau de lait de 1 à 1 kg de sang environ, 2 gousses d'ail, un oignon frais, quelques grains de poivre, de l'huile de tournesol. Et pour les haricots, 500 g de haricots maïs ou tarbais, 4 oignons frais, verts compris, une carotte, 2 gousses d'ail, 60 cl de bouillon de viande non salé. Pour la sauce enfin, 2 échalotes, 10 cl de jus rançon, 15 cl de jus de viande, un quart de poivron rouge, une douzaine de grains de raisin blanc sans pépins, 100 g de cèpe déjà cuit ou pas, et une cuillerée à café de persillade. Une sauce que nous devons justement finaliser. Voilà. Et alors ce qu'il y a, la petite astuce, c'est ça. Ce cèpe, on va écraser dedans. Tu vas récupérer la pulpe du cèpe et de l'échalote. Ce ne sera pas filandreux. La sauce sera comme ça, liée, avec du cèpe écrasé et de l'échalote. C'est une bonne idée, ça. Ah, je sais pas, c'est bonne idée, mais c'est bon. Non, mais c'est vrai que je n'avais jamais eu cette idée et je ne l'ai jamais vue dans les livres. Là, on a ta sauce. Voilà, on a une sauce toute prête et attendant. Voilà. Hein, et maintenant, l'agneau est prêt. Ah ben, on va le sortir. Bon. Tiens, bon. Voilà. C'est parti. Tu vas le faire, alors. Ouais, je vais le faire. Ça, c'est encore dans mes cordes. Super, alors. Ah, j'essaye d'être un marmiton à la hauteur de son chef, hein. Ouais. Oups, là. Bon. Magnifique. Qu'est-ce que ça sent bon. Il est bien doré, il est superbe. Voilà, on le sort. Vas-y. Oh, c'est bien, impeccable. Tac, magnifique. On va découper un peu d'agneau parce qu'il faut le goûter. Bah oui. Alors, c'est somptueux. Effectivement, on voit que la cuisson n'est pas rosée, mais c'est ce que tu veux et c'est ce qu'il faut d'ailleurs pour l'agneau de lait. Hein, sinon, c'est pas bon. Ouais. Sinon, c'est gélatineux, ça n'a pas d'intérêt. Dressons notre gigot à l'assiette avec quelques cuillères de sauce, le poivron, quelques raisins, des cèpes et enfin les haricots. Mais je t'ai vu rajouter le jus de la cuisson de l'agneau dans les haricots. Ah oui, c'est un petit truc. Oui, alors on va mettre juste un petit peu sur le côté, à côté du jus. Voilà, ça suffit, impeccable. Après, on va se resservir. Oh. Et là, donc, nous avons une assiette complète. On n'est pas les plus malheureux. À la tienne, Julie. À la tienne. Et surtout, santé Auvergnat. Ça sent bon. L'épreuve de vérité, là. La viande, elle est magnifique. C'est la cuisson que j'aime. Moi, je ne l'aime pas trop rosée, justement. Et là, on a à la fois vraiment la texture de la viande. On a de la mâche, elle reste tendre, elle reste humide. Oui. Et on a, surtout, elle a un goût incroyable. Ah ouais, l'agneau de lait, c'est extra. Et ta sauce, c'est vrai qu'elle est très discrète, elle est très légère. Et très raffiné. Très très bon, vraiment. Est-ce que tu crois que tu serais capable de le refaire pour toute une bande de copains? Ah oui. Où est-ce qu'elle m'entraîne? Oui. Alors à la fin de mon voyage, je vais réunir tout le monde, tous ceux que j'aurai rencontrés. Et je pense qu'il y aura Olivier d'ailleurs, donc il va pouvoir le goûter. Ah oui, il va goûter ça, l'agneau. Olivier, c'est bien. Ouais. C'est pour ça, c'est un juste retour des choses. Et toi, tu vas goûter son boudin. Ah oui. Je me suis payé un beau chapeau pour avoir l'air bien comme il faut. Quand je croise mes amis, ils en crèvent de jalousie en voyant mon chapeau. En route pour Oloron-Sainte-Marie, pour approfondir notre connaissance du béret, et non pas du béret basque,
comme on pourrait le croire, mais du béret béarnais, parce que figurez-vous que l'origine du béret se trouve dans le Béarn. Je crois que c'était les bergers qui tricotaient ce bonnet, ce chapeau, avec la laine de leurs bêtes. Et ensuite, ce sont les Basques, grâce à l'intermédiaire de Napoléon III, qui se sont un petit peu approprié cette coiffe. Et les Basques étant de grands navigateurs, ils l'ont diffusé, ils l'ont fait connaître. Donc on pourrait dire que finalement, légitimement, le béret est basco-béarnais. Il appartient finalement aux deux cultures. Nous, on va creuser le sujet avec Serge et Rosabelle, dont l'origine de l'entreprise remonte à la moitié du 19e siècle. C'est vous dire s'ils en ont tricoté des bérets. Je le mets de côté, mon beau chapeau, pour piloter ma petite auto. Comme ça n'est pas très pratique, j'ai fixé un élastique pour tenir mon beau. La maison est d'ailleurs récompensée par le label Entreprise du patrimoine vivant depuis 2013. Au cœur de toutes les attentions, la pure laine vierge, que l'on transforme pour continuer à coiffer aussi bien la tête des bergers que celle des modèles des plus grands défilés. Tout débute avec le tricotage à l'aide de métiers mécaniques. Et c'est avec la main des tricoteuses que les petits accros sont réparés avant que le tricot ne devienne galette. C'est l'opération de remaillage qui est la fermeture totale du tricot. Ça prend un certain temps. Intervient ensuite la phase de foulonnage pour feutrer la laine et donner au béret leur taille définitive. On fait en sorte que le poil du fil se resserre. En se resserrant, il resserre les mailles. En resserrant les mailles, on obtient un feutre. S'ensuit la phase de teinture. On peut tricoter une laine de couleur, mais pour nous, il est beaucoup plus facile à gérer de tricoter une laine écrue, puisque derrière, on a un atelier de teinturerie. C'est surtout qu'on peut faire beaucoup plus de couleurs et beaucoup plus de formes de béret, de style de béret, en faisant la teinture nous-mêmes. Le béret est alors mis en forme, puis gratté et tondu manuellement, afin de lui donner son aspect final. C'est dans l'atelier de confection que l'on apporte les dernières touches et que l'on bichonne cette coiffe de caractère. Ici, nous sommes sur le poste de montage du cuir, c'est-à-dire juste avant la finition du béret, puisqu'on va encore monter l'étiquette et ensuite la petite bouffette. Ce qu'on appelle la bouffette, c'est le petit nœud rouge que vous avez sur tous les bérets. Un dernier contrôle visuel et les bérets sont fin prêts à chapeauter nos caboches. C'est pas beau, ça ? Une création gage de longévité, une coiffe que l'on pourrait presque se transmettre de génération en génération. Pour le moment, je quitte l'atelier direction Moumour, à peine à 10 minutes d'Oloron, où je dois découvrir une dernière recette avant d'accueillir tous les copains pour le banquet. Voilà enfin à Moumour, c'est pas très loin dans le rond Sainte-Marie, c'est à 3 km, on a le soleil. Et c'est ici qu'on va célébrer notre banquet, Laurent nous accueille. Alors Laurent, il est d'origine hollandaise, comme sa femme, c'est un couple d'artistes. Ils ont racheté cette maison qui était un ancien château médiéval, qu'ils ont entièrement rénové, je crois qu'ils ont fait un gros travail. Vous allez voir, c'est une très belle maison. Et Laurent, c'est d'ailleurs un peu curieux venant d'un Hollandais, mais comme quoi, il est très attaché au terroir français et notamment aux recettes. Il va nous cuisiner une très ancienne recette, peut-être qu'elle remonte pas à l'époque médiévale, mais c'est pas loin, et qui est une recette à base de confit de canard, évidemment, dans le Béarn et en Gascogne, on aime le canard. Bonjour Laurent. Bonjour Julie. Oh, quelle belle maison. Ça va, merci. Ah oui, très bien, très bien. Et quelle belle porte aussi d'ailleurs, tout est magnifique ici. Alors où se trouve les cuisines? Parce que je crois que vous avez quelque chose à me transmettre. Suivez-moi, oui, oui, oui. Allez. Oh là là, mais somptueuse cette cuisine. Oh. Ah, c'est un rêve. Vous devez merci. Y passer du temps. Surtout que je crois que vous accueillez des hôtes. Oui, on fait chambre d'hôtes chambre ici. Chambre d'hôtes. Oui. Vous avez combien de chambres? 5 chambres. 5 chambres, ouais. Dis donc, c'est un bel endroit. Hein. Je mets ça à côté, je ouais, peux me permettre ah bon. Oh, bah, je vais le faire. Voilà.
Et nous voilà dans la cuisine. Vous voulez que j'en mette un aussi? Vous avez une là-bas, je crois. Ah bah super. C'est parfait. Alors, et nous sommes donc au château de la Motte. C'est ça, oui. Alors, cette maison, elle a une origine médiévale? Oui, c'est construit, je crois, vers 1267. Ah, d'accord. Et c'était une bastide au départ? Oui, une bastide au départ. Et après, c'était la résidence d'été des évêques d'Oloron pendant 600 ans. 600 ans? Oui. Et alors, la recette là, que vous aviez envie de nous faire goûter, elle vient d'où? La base vient d'une ancienne recette d'une cuistot de Louis XIV. Puis j'ai adapté aux régions pour le faire avec du canard, parce qu'on le fait avec du veau. D'accord. Parce qu'en fait, ce sont des boulettes, c'est 20 boulettes de ragoût, et puis après, on le fait dans le chapelure. Pané, oui. Une boulette de confit de canard. Oui. Par un Hollandais qui se revendique de Louis XIV dans le Béarn. Eh bien, alors là, franchement, c'est un modèle unique. Trêve de plaisanterie, je suis impatiente de m'atteler à cette recette revisitée aux couleurs béarnaises. Et c'est justement par l'émiettage de la viande que nous commençons. Puis nous nous lançons dans la confection d'une sauce avec les os et la peau. Tout est bon dans le canard, paraît-il. Alors, donc là, vous faites un petit jus de canard à l'huile d'olive. Mais vous êtes fou, vous mettez de l'huile d'olive parce qu'il y a un peu de gras quand même là-dedans. Oui, mais je vais encore ajouter du beurre aussi. Et après, j'ai des graisses. C'est pour le goût. Ah ouais? C'est pour le goût. Les Béarnais, s'ils vous voient mettre de l'huile d'olive dans leur confit, ils vont se retourner dans leur tombe. Mais moi, je suis hollandais. Hein. Nous ajoutons ensuite quelques oignons coupés en quatre. Et en parallèle, nous réalisons un roux avec du beurre fondu et de la farine. Puis Laurent dégraisse son fond de sauce. Oh, c'est trop gras. Il y a les graisses de canard, le beurre, l'huile d'olive. Non, moi, je trouve pas. Non, je trouve que c'est bien comme ça. C'est pour préparer l'été. Oui. Allez, on fait comme ça. Hop. On retire tout le beurre et tout. Ouais. Oh, il reste encore un peu de gras. Hein. Allez, hop. C'est bien. Puis on remet là sur le feu. Reste alors à déglacer au vin blanc sec, du Jurançon évidemment. Et vous voyez, là on a les sucres maintenant. Bien sûr, c'est ça qui va donner le goût, quoi. Mais oui, c'est ça. Laurent ajoute enfin du bouillon de volaille fait maison avant d'abandonner sa sauce. Là, on attend 4 heures. Et ça ne doit pas réduire. Ah bon? Parce que c'est vraiment une température toute douce. Oui, quand on veut faire un jus de canard avec ça, il faut retirer tous les ingrédients après 4 heures. D'accord. Et là, on réduit. D'accord. Puis maintenant, alors, on coupe le viande. On coupe? En petites pièces. Alors, en petites pièces. Est-ce que ça va comme ça? Pas mal. Pas mal. Un peu? Ouais, c'est bien. Un peu plus? Oui, il faut les... Il faut les effilocher après, c'est ça? Un peu effilocher, oui. Sinon, on ne peut pas rouler bien. En fait, il faut qu'on sente encore un peu les morceaux, mais pas trop, quoi. C'est ça? Oui. Pas trop petit, mais pas trop grand non plus. Une fois que le roux a refroidi, Laurent le détend quelque peu afin d'obtenir une texture semblable à celle d'une béchamel épaisse. Qu'est-ce qui vous a attiré dans la région? Le château. C'est la maison elle-même? Oui, on cherchait une toute petite maison de vacances. Et c'est totalement débordé. Puis on a rénové, on a dépensé énormément. Tout mon capital, vraiment. Alors maintenant, il faut faire chambre d'eau pour vivre. Bah oui. Pour jusqu'à ma retraite, parce que là, c'est pas encore ma retraite. Alors. Vous n'êtes pas venu pour le Béarn, vous êtes venu pour la maison. Oui. Et vous avez découvert le Béarn ensuite. Oui, et c'est super ici. C'est vrai? Oh, c'est le paradis. C'est beau. On va le dire trop fort, tout le monde va venir dans le Béarn. Alors vous voyez, c'est pas je mal. Vois. D'accord. Une fois la bonne texture obtenue, on ajoute la viande, point trop n'en faut pour que les boulettes se tiennent mieux par la suite. C'est bon, ça a du goût. Hein? C'est un vrai goût de canard. Ah ben oui, c'est l'idée. Mais pour l'instant, c'est quand même très liquide. Comment allez-vous faire des boulettes de ça? Vous le faites refroidir? Mais on le fait refroidir une nuit. Et c'est justement une préparation qui a refroidi une nuit entière que nous récupérons pour confectionner les boulettes. Comme ça. Parce que tu peux me faire des blancs d'œufs ici. Des blancs là, attends. Et les jaunes, tu les veux? Et les jaunes, tu jettes là avec. Ah bah non. Mais oui, parce que j'ai pas besoin de jaunes d'œufs. Ah non, mais moi je jette pas des jaunes d'œufs. Tu vas les jeter. Allez. Oui, chef. Tu vas y arriver. Quick.
Alors, les blancs. Ok, les blancs. C'est bizarre, les blancs. Pourquoi les blancs? Pour faire une panure, tu mets des blancs? Oui. Ah. C'est une batteur. Pour D'accord. faire coller les chapelures. Tu mets un peu de sel. Ah ouais. 8 heures plus tard. Un peu plus vite, quand même. Ah non, 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 mais attendez, moi, je suis dans le sud-ouest. Je suis pas en Hollande, hein. Moi, je viens on n'est pas dans le nord, là, hein. C'est pas l'usine, hein. Je mets du pression. Nous, on est culture sieste, hein. C'est très joli. Tu fais ça très bien. Presque professionnel. Ah ouais, je suis une photeuse professionnelle. Puis c'est à l'aide d'une cuillère à glace que Laurent réalise ses croques farcies, comme il préfère les nommer. On va laver les mains. Parce que maintenant, ça devient... J'ai pas besoin de me laver les mains, moi. Oui, il faut laver les mains. Viens. Il faut le faire. Il faut pas dire non. Mais c'est quoi, ça? Il faut le faire, parce que sinon, ça va pas... Consommer tout ce papier. C'est pas grave. Ils sont quand même bizarres en dehors de chez nous, les non, gens. Non, il faut laver les mains. Ça doit être propre, quand même. C'est des gens qui mangent ça. Tu le touches avec tes mains, alors je veux être sûr que... Mais j'ai les mains propres, enfin, j'ai conduit... Ils sont secs. Allez. J'ai conduit Micheline qui a 150 ans, à part ça, tout va bien. Bon, voilà. Allez. Oh là là, c'est Allez, pas écolo bien. Du tout, vous, hein. Peut-être très alors. Gentil, je vois bien, ok. Les mains décapées, nous les roulons dans la chapelure, puis dans le blanc d'œuf et à nouveau dans la chapelure. Ça, je connaissais pas, Attends. Tiens, le truc. Allez, je connaissais l'œuf battu, mais pas le blanc monté en neige. Alors, parce que du coup, ça permet à la chapelure une double panure, quoi, c'est ça? Mais oui, et c'est plus craquant. Bon, alors, c'est pas mal, là. Hein? Non, c'est plus long que là. Non, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu vois, ça, c'est perfect. Pourtant j'en connais des cinglés de la cuisine, mais alors là, champion, hein. Champion du monde, là. Les boulettes prêtes, je décide de prendre en note la recette dès maintenant, la cuisson se faisant à la toute dernière minute. Pour confectionner des croques farcies de canard comme Laurent, voilà ce dont vous avez besoin. 2 cuisses de canard confites, 200 g de beurre, ou moins à mon avis, 1 trait d'huile d'olive, 1 oignon, 12 g de poivre, 5 cl de vin blanc sec, de la chapelure, 2 blancs d'œufs, du sel et du poivre. Et pour le roux, 120 g de beurre, 100 g de farine, du bouillon de volaille et enfin pour la cuisson, une huile de friture qu'il faut porter à 170 degrés avant d'y jeter les boulettes jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, à servir immédiatement. Pour l'instant, pas de cuisson. Allons d'abord retrouver les copains qui ont déjà pris place dans la salle à manger, accueillis par Laurent. Olivier, l'éleveur de porc gascon et de brebis, que rien n'effraie. Henri, le créateur de la sauce loronaise. Hervé et Pierre, les amateurs de saumon. Bertrand, de la maison du jambon. Et quelques invités surprises supplémentaires. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Ah, mais ça fait plaisir quand même. C'est une table absolument magnifique. Et je vois que les assiettes sont plus que locales. Ah oui, ça, quelque chose me dit que c'est pas toi, Laurent. Non, c'est pas moi. Non, hein, c'est ça. Qui est-ce qui a apporté ces assiettes? Ce sont nos amis, champions du monde de la garbure. Champion du monde de la garbure? Tout à fait. C'est vrai? Oui. Le championnat du monde de garbure a lieu à Oloron-Sainte-Marie au mois de septembre. Donc Oloron-Sainte-Marie est considérée officiellement comme la capitale mondiale de la garbure. Oui. Mais en même temps, une vraie tabernaise sans la garbure, c'est pas une tabernaise. On est d'accord. Ah, bonjour, Isabelle. Oh là là. Et puis alors, dis donc, tu es venue avec un lot de bérets. Alors, je vous présente Rosabelle, qui dirige la dernière fabrique de bérets. Béarnais, bien sûr, ça, c'est un pléonasme. Et en plus, elle nous a apporté de beaux bérets de toutes les couleurs. Chacun choisit. Lorsque je suis chez moi, j'enlève mon béret. Tu enlèves ton béret. Et je mets assez dessus. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ça lui permet de lui donner cette forme. C'est-à-dire pas tout à fait plat. Que l'on met après dans le bon sens. Ah oui, c'est très étudié quand même. Et que l'on travaille suivant l'humeur du moment. Ah, parce qu'on ne le met pas toujours de la même façon. Oh, on le met comme on le sent dans le moment. Laurent, il l'apporte façon qu'il y aille. C'est autre chose. Écoute, Françoise, ta soupe, elle est délicieuse. Parce qu'on a l'image d'un potage, d'une soupe assez roborative, un peu grasse. Et en fait, c'est très fin. Je me régale. Alors raconte-nous un peu ton jambon. Ce joli jambon là, qui a une belle couleur rouge rosée, et puis un petit peu de gras parce que c'est le gras qui va donner tout le goût au jambon. L'intérêt c'est de le trancher bien fin,
Et puis de pouvoir eh bien, l'apprécier en bouche en le faisant un peu rouler dans la bouche. Et déjà là, on voit qu'il sent très bon. Je trouve qu'il est particulièrement doux au palais. Tu vois, c'est comme une caresse. Ça, c'est une particularité, je trouve, du Bayonne. Il a une texture très suave. Et très fondant. Quoi. Ouais. T'es d'accord ? Très d'accord. Harry, tu sers le boudin ? Oui, ça c'est le boudin. Oui, alors disons que le boudin, alors je pense qu'il peut en parler, notre ami. Julie va en parler parce qu'elle l'a fait maintenant. C'est, ah oui. C'est de mes blancs chemins. C'est elle qui est la mieux placée pour en parler. Enfin, j'ai contribué parce que c'est quand même Olivier qui a vraiment pris les devants et heureusement. Celui-là est un peu différent de celui qu'on a goûté, c'est parce qu'il n'a pas été réchauffé à la cheminée. Voilà, il c'est est froid, ça, hein, c'est ce que je te disais. Ouais. Souvent, on l'accompagne d'un cornichon ou d'un piment vinaigre. Ah. Faites par Julie. Les petits croque-farcis de confit de canard. C'est une variation sur le vrai nourriture du coin. Du coin. Et c'est croquant et fondant, comme on dit. C'est bien parce qu'il prend l'accent. Alors pour toi, la première. Merci, c'est magnifique. Et ça se mange avec de la moutarde. Moi, je vais goûter comme ça. Okay. Je vais goûter comme ça, ça me plaît. Merci. Alors, un Hollandais qui fait de la cuisine béarnaise avec la sang. Alors là, c'est franchement, bien. Bravo. Hein. Je ne sais pas comment il est vraiment l'accent béarnais, mais bon. Comment ça se mange, Laurent? Avec le main, comme ça, claque. Avec le main. D'accord. C'est un régal. Super bon. Alors, Julie, à ta santé et soyez le bienvenu au château, tout le monde. Merci. Merci pour avoir amené la nourriture, parce que normalement, c'est moi qui dois tout faire. Et merci bon de ton santé. Hospitalité, Laurent. Avec plaisir. Ouais, c'est ça, sur 2 jours, le repas. Tu sais, de toute façon, on est là pour 48 heures. Hein. Mais c'est délicieux, parce que c'est vrai que j'ai rarement une boulette croquette, je sais pas comment il faut l'appeler aussi, craquante en bouche. Croustillante, ouais. Très bon. Oh. Attention, Julie. Magnifique. Alors, magnifique. Le service sera imparfait comme d'habitude, mais c'est pas grave. Mais on aime l'imperfection. Il faut la cultiver dans la vie. Il faudrait que vous sachiez donc qu'on est en train de savourer évidemment un agneau de lait des Pyrénées. Merci. Mais surtout que c'est l'agneau d'Olivier, cuisiné par Henri, merci, avec bien. Une sauce oloronaise. Rien que ça, ça fait ma joie. Merci. Oui. Et ton agneau de lait, il est abattu à quel âge? Entre 20 jours et un mois. Entre voilà. 20 jours et un mois. Ouais, ouais. Voilà. À 20 jours, c'est très très jeune quand même. Oui, et oui. Ça a déjà du goût, cette viande? Bien sûr, oui. C'est somptueux ce que vous nous avez préparé là tous. Ce goût sucré des haricots maïs doux, hein, c'est extraordinaire. Ouais, c'est magnifique, ces haricots. Hein. Le pot, il n'est pas farineux, il est sucré, c'est un produit exceptionnel. Ouais, c'est vrai. Ouais, absolument. C'est pas fini, hein. Oh là là, voilà. Allez, ça, c'est le fromage de brebis fermier béarnais. Tu ne fais que voilà. De la brebis? Que de la brebis. De toute façon, dans le Béarn, c'est principalement la brebis, non? Principalement la brebis. On pense à l'osso, c'est pour ça. Mais... Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais est-ce que toi, tu es sous le label Osso Irati, voilà. Donc, fermier au lait cru. D'accord. Voilà, c'est vrai que c'est un sujet tabou. Pourquoi? Le fromage. Si tu veux, c'est l'aberration, c'est que ce que personne ne sait, c'est qu'on a une AOC, Osso Irati. À l'intérieur de cette AOC, tu as 2 cahiers des charges. Un pour les industriels et un pour les fermiers. Et on ne distingue voilà. Pas le produit à l'arrivée? On le distingue, si tu veux, jusqu'à maintenant. Les industriels ont entretenu une ambiguïté. Ouais, ils ça, nous ont jamais voulu céder de terrain parce qu'on aurait pu avoir une étiquetage bien différenciée. Bah oui. Mais ils freinent. Fermier, ils freinent. Du coup, les bergers béarnais n'ont jamais adhéré à cette AOC parce que pour eux, ils ne voulaient pas être associés à un fromage basque, à un fromage industriel, parce que quand même 80% ou 90% de l'AOC Osso Irati, c'est du pasteurisé, c'est de l'industriel. Mais voilà. Moi, je dois te dire que pour avoir un peu voyagé dans la région, c'est vrai que souvent, j'ai eu l'impression que les gens qui faisaient du fromage de ce type-là, de brebis, ouais. Se prévalaient de ne pas avoir l'AOC, ce qui m'a frappé. C'est tout à fait ça. Donc ça, c'est un fromage qui a 2 mois, et c'est un fromage de petit format, oui, il est un peu frais. Raison. Mais bon, ça ce va. Goût, ce gras qu'il a en bouche, c'est quelque chose voilà. D'exceptionnel. Oui, oui, je trouve. Oui. C'est un moelleux, c'est bon. Oui, oui. Excusez-moi. Oh là là, mais qu'est-ce donc? Alors là, mais j'apporte le dessert. Je vais vous parler du russe. J'ai fait oloron, c'est une spécialité pâtissière oloron. Et c'est la même qui a été servie à plusieurs reprises à l'Élysée. C'était le gâteau de l'Élysée pour les grands événements. Voilà. Alors, la recette, je ne la connais pas parce qu'elle est... Secrète dans ces gabarits. Ce russe-là, on demande toujours l'origine du russe, de l'appellation. Bah déjà, pourquoi russe, oui. Il y a plusieurs russes
au niveau français. Alors, on a dit tout simplement qu'au départ, les meilleures amandes venaient de Crimée. D'accord. Donc, il aurait tiré avec, son nom de l'origine des amandes. Les plaines blanches de Crimée, de Sibérie, etc. Ah. Avec ce petit côté blanc de c'est la neige. Ah, voilà le russe. Mais en fait, c'est une sorte de biscuit d'aquoise aux amandes. Et elle nous donne la recette. Oui. Bah non, mais enfin, il me semble, hein. Un peu comme un macaron, finalement, comme un biscuit de macaron. Et à l'intérieur, on a une crème pralinée qui ressemble un peu à la crème du Paris-Brest. C'est vrai que c'est très léger. Mais bon, c'est le qui commence, je vais suivre. Bon, ben nous, on va rentrer, on va quitter les Béarnais, leur bonne humeur, leur générosité, leur truculence, leur courage aussi et surtout leur attachement à ces racines de la gastronomie, mais d'ailleurs bien au-delà aussi, qui font leurs caractéristiques. Essayons de préserver ces produits, ces traditions qui sont si singulières, si authentiques. Essayons de les valoriser où que vous soyez, dans votre région, dans votre pays de France. Et puis, faites la cuisine aussi chez vous, pourquoi pas, même si vous êtes en Bretagne. Lancez-vous dans le boudin béarnais à la main. Allez, salut, bonne chance. Un peu de viande. Ben oui, mais attends, il faudrait une cuillère. Oui, là, oui moi oui, je veux oui, pas oui, non oui. plus, il y a un moment où il y a des limites quand même. Moi je vais goûter. Bon, ok, voilà. On l'a préchauffé. Chérie, si tu me regardes. Non, c'est un petit clin d'œil pour mon mari qui, à chaque fois que je rentre des émissions, me dit mais tu sens l'ail. Ben oui, en France, on mange de l'ail. C'est avec un Ricard. Oui, mais partout, on mange de l'ail. Mais en même temps, moi j'aime ça. Et surtout, santé au Basque. On recommence, ça va être.